Bueno, entonces estoy con dos chicas de ucraniana, pero voy a hablar ahora en francés porque vamos a probar comida. Ellas son de Ucrania, pero viven en Francia. Entonces ya no habrá más español, habrá subtítulos que estarán abajo. Los pueden poner los subtítulos en la configuración del video YouTube abajo a la derecha. Entonces miren bien las opciones porque salen los subtítulos. Ok, alors bonjour, Viorica, c'est ça? Oui, Et bonjour. Tania? Oui, Donc bonjour. vous êtes toutes les deux ukrainiennes, d'accord? Alors aujourd'hui, on va manger de la nourriture un peu colombienne. Ben, une première impression, la Colombie, une première impression si vous pensez à Colombie, de la gastronomie colombienne, vous connaissez quelque chose ou rien du tout? Non, je pensais que c'est très très épicé. Très Je sais épicé? pas, oui. Plus ou moins, ouais. D'accord. Et la Colombie, sinon, à part ça vous évoque quelque chose en spécial ou... Oui, du café. On sait bien que la Colombie a un café très délicieux et c'est D'accord. tout ce que je connais de la colombienne. D'accord. Alors, on va commencer par goûter. Bah, vous allez commencer toutes les deux des cocadas. En fait, c'est à base de coco. Donc, il n'y en a que deux. Je ne pourrais pas les goûter, moi, malheureusement. Donc, honneur aux femmes pour goûter. Et vous nous dites est-ce que ça vous plaît? Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Et si c'est un bon goût, est-ce que ça vous paraît exotique? Est-ce que dans votre pays, il y a quelque chose de similaire, etc. C'est comme le bonbon? Oui. Oui, c'est plutôt comme le biscuit. biscuit, alors, plus Oui. biscuit que bonbon. C'est très sucré, mais j'aime ça. J'aime tout ce qui est D'accord. Est-ce que trop tu peux sucré. montrer à la caméra plus ou moins Oui. un petit zoom? Donc les cocadas. Donc voilà, moi je ne connais pas spécialement les cocadas. Je sais que c'est typique de Colombie, mais je n'ai jamais goûté. Mais... Ça se fait du lait et de la caramel? Ouais, je pense qu'il y a du lait et du caramel dedans. Ouais. C'est pour ça que c'est très sucré aussi, avec beaucoup de sucre. Ouais. Et vous sentez le coco ou vous le sentez pas trop? Pas trop, Pas trop. le caramel, Trop je le fort. sens trop fort, ouais. Ah d'accord. Et c'est agréable ou... Oui, C'est c'est agréable, mais agréable, par c'est très contre, délicieux. Moi, je pense qu'il y a des noix. Ah, tu sens Oui. la noix de coco? Ah non, la noix en fait, seulement la La noix. noix, Ah d'accord. juste la noix. Ah d'accord. Donc c'est quand même pour manger le matin, ce serait agréable, j'imagine. Oui, avec du lait. D'accord. D'accord, bah, vous pouvez le poser sur le sachet pour qu'on goûte à d'autres aliments. Pour le dernier après. Bon, on va continuer avec du sucré. On va goûter les cafés bonbons de Colombie. Donc, comme le disait Viorica, il y a beaucoup de cafés en Colombie. Donc, on va goûter tous les trois. Alors, moi, j'ai déjà goûté. Oh, ça va, c'est bon. C'est pas mes préférés parce que moi, j'aime bien que c'est très sucré. Mais c'est quand même bon. Alors, qu'est-ce que vous aimez bien ou ça va? Oui, ça va parce que moi j'aime bien le café quand même et moi je n'aime pas trop les plats qui sont trop sucrés Ah, et d'accord. oui, et ça très bien pour moi quand D'accord. même. Donc, toi, tu pourrais manger les bonbons comme ça tous les Oui, jours, il n'y a pas de problème. c'est ça. Et toi, Tania, ça tu aimes bien ou... Oui, j'aime bien. C'est très très délicieux et ça sent le café. C'est très bon. Ah, oui. D'accord. Donc. Désolé, mais on va le mettre sur notre. On va l'enlever de la bouche. On va le terminer plus tard. On va goûter cette fois-ci à des chips. Donc, les chips, c'est connu mondialement. Donc, Oui. en Ukraine, en France. Mais en fait, je ne sais pas si en Ukraine, il y a des chips au citron. Non, il n'y a pas. Non? Non, non, il y a des chips où on ajoute du citron. Ah, c'est vous qui l'ajoutez à la main en fait. Ah non, non, non. C'est les chips qui sont faits avec beaucoup de saveur, Ouais. mais un des Ah, un des ingrédients ingrédients, et le oui, citron, mais c'est pas citron. l'ingrédient Non, mais. principal. Ah, d'accord. Moi aussi au début, ça m'avait choqué quand j'ai vu ça, parce qu'en France, ça n'existe pas. Mais bon, après, c'est pas mon goût préféré pour les chips, c'est pas la meilleure saveur, mais. Et quel est ton goût préféré des chips? Avec le poulet, je pense, c'est des chips Ah au poulet ou barbecue. oui. Ok, alors on va se servir, hein. Moi je vais goûter aussi. Là, tu peux prendre une coupe. C'est un peu fort, c'est pour ça que moi c'est pas mon préféré. C'est un peu trop fort, mais bon, c'est quand même agréable, même si je préfère, comme je le disais, donc barbecue et poulet. Oui, ça sent comme un mélange de
des chips salées et un peu sucrées, je ne sais pas, à cause du citron. Ouais. Je sens un peu sucré. Ah, tu les sens sucrées, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire, un arrière-goût en fait. Ouais, à la fin quand tu termines la chips, ouais. Et toi, Tania? Non, moi j'ai beaucoup aimé ça. En fait, oui. Tu aimes bien celui-là? Oui. D'accord, à la fin de la vidéo, tu auras le paquet pour toi. Oui. D'accord. Avec plaisir. On va goûter maintenant los chicharrones. Oui, ce sont des chips à base de porc. Donc voilà, en Colombie, ils aiment beaucoup manger du porc. En France aussi, bon, en France même s'ils ont un peu baissé parce qu'il y a beaucoup de musulmans pour respecter la tradition musulmane. Moi je suis pas fan du chicharrón, mais... Moi je connais que les Colombiens ont un plat traditionnel qui s'appelle lejón. Lejón, ça se fait du porc rôti, comme ça, avec du riz. J'ai entendu parler de ça. Lechona, je prononce ça bien. Ouais, mais ça j'aime moins en fait. Bah, tu peux goûter alors. Oui, la lechona c'est bon, j'aime bien moi. Moi ça va, je trouve ça agréable. Je préfère même peut-être les chicharrones que les chips au citron. Mais après c'est pas non plus ce que je mangerai tous les jours, mais ça va. Et vous? C'est un peu gras. Ouais. C'est gras. Mais, quand même en Ukraine on mange aussi beaucoup de la viande du porc. Ouais. Ouais. Et quand même c'est pas quelque chose de nouveau. D'accord, donc si tu es habitué à ce goût en fait toi, ouais. C'est normal. Et toi Tania? Ça ressemble un peu à un plat ukrainien qui s'appelle shkvarki. Moi j'aime pas parce que c'est très gras et j'aime pas agrandir la viande du porc. Ah ouais? Oui. Donc c'est pas ton préféré. Tu préfères les... C'est ça que tu vas avoir à la fin en cadeau. Là. Et ça, ce sera pour Viorica. Oui. Bon, voilà. Pas trop parce que c'est trop gras. Ah oui. Pour pas grossir. Oui. Bon, on a goûté beaucoup de choses très bonnes. On va goûter à la chose que les Colombiens préfèrent. Donc on sait très bien que les Colombiens, je sais pas si vous savez, ils sont très festifs. Ils aiment beaucoup la fête. Oui. Donc si on parle de fête, on parle souvent d'alcool. Alors bon, on va goûter donc le aguardiente, ça s'appelle eau de vie en français, ou en colombien on l'appelle le guaro. Donc c'est un alcool très fort, hein, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, 29%. Moi personnellement je ne bois pas beaucoup, j'aime peut-être la fête etc, mais boire pas tant que ça. Parce que moi j'aime pas beaucoup le goût dans la bouche de l'alcool, c'est, quand c'est fort c'est pas très bon dans la bouche. On va goûter tous les trois, mais on va pas mettre beaucoup. Alors, oh là là, j'ai du mal. Alors, ça, ce sera pour Tania. J'ai mal fait le trou. Waouh. C'est trop? Oui. Ah. Non, c'est très fort. Ah, d'accord. Bon, on va boire à cul sec. Vous connaissez l'expression de boire à cul sec? Non. D'un coup, en fait. Ah, d'accord. Attendez que je prenne le mien. Bon, en espagnol, on dit salud. Salud. Oui, en français, c'est plus de chin-chin, je sais pas si vous avez. Bon, 1, 2, 3. Ah, c'est fort. Waouh. Wow. C'est très très fort. Ben moi personnellement, encore une fois, je le dis, je n'aime pas. Et toi alors, Viorica? Ça ressemble à notre vodka ukrainien et c'est très fort. Quand même, les filles n'aiment pas boire de telles choses comme ça. Non. Non. D'accord, donc c'est pas pour toi l'alcool. C'est pas pour moi. Ça ressemble vraiment à notre vodka et il y a un goût qui ressemble à notre sirop. Ouais. Qu'on boit quand on est malade, ah, mais ouais. Les médicaments. Mais... D'accord, bah, si tu es malade, je te ramènerai tout ça. D'accord. Du coup, à part les cocada, les chips, les chicharrones, les bonbons au café et le guaro, l'eau de vie, qu'est-ce que c'est, vous a le plus plu alors de ces plats? Ça. Toi, c'était la famille, c'est le coco, la cocada. Oui, ça. La cocada, c'est pour ta préférée alors? Oui. D'accord. J'ai beaucoup aimé ça, le goût. D'accord. Et toi, Viorica? Les bonbons faits du café. Les bonbons avec du café? Oui. D'accord. Bon, ben voilà, on aura goûté à beaucoup de choses colombiennes. Entonces, si les a gustado la vidéo, suscríbete y pon un like à la vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.